ça y est. Ça va? On y va. Pour nous, a été une personnalité très importante, surtout pendant la décennie noire. Il a accompagné les souffrances du peuple algérien pendant ce moment-là. Et en 2008, le pape a accepté sa démission à l'âge de 75 ans. Et il a pu se reposer un peu à Tlemcen. Malheureusement, il était en visite familiale à Lyon quand l'épidémie du Covid l'a bloqué. Mais selon son désir, il souhaitait être enterré dans son pays d'adoption, puisqu'il avait acquis la nationalité algérienne en 1966. Et il va être enterré ici, à la basilique Notre-Dame d'Afrique, qu'il a aidé à restaurer avec le concours des autorités algériennes, des entreprises privées et étatiques. Et il sera enterré ici, à l'intérieur de la basilique, à côté de feu cardinal Duval, qui avait été son prédécesseur à Alger. Notre famille est très touchée par les marques d'affection, d'amitié, les condoléances que nous recevons. Très touchée aussi par cet accueil de l'Algérie. Ce drapeau sur son cercueil est pour nous un très beau symbole, le rappel d'une vie consacrée à l'Algérie, aux chrétiens d'Algérie.